Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Philippe, bonsoir Anise, bonsoir Clara. Bonsoir Nicolas, heureux d'être là avec toi ce soir pour présenter ces rencontres de l'éveil. Merci infiniment, ça va être une magnifique soirée. Donc, nous saluons chacun, chacune dans le chat qui nous rejoint. Et voilà, j'espère que vous avez passé un merveilleux début de semaine. Et donc, je laisse saluer Clara et Anise si elles le veulent. Il faut, Ah. voilà, Ah ben ton micro, oui, voilà. bonjour, j'avais un petit problème technique. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Merci Super, beaucoup. super, super. Alors, eh bien, maintenant que voilà, on a entendu tout le monde, on va pouvoir tester la technique et je pose la question dans le chat. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Et puis, on va pouvoir commencer cette présentation des rencontres de l'éveil, donc sur la terre des veilleurs dans le Var. Alors, je salue tout le monde. Je salue Catherine. Eh bien, avec joie, Catherine, rendez-vous au replay. Bonsoir, chère Manon. Bonsoir, chez... Ah, on entend un chat. Oui, la communication animale a commencé. Voilà, oui, parce qu'il va y en avoir, effectivement. Bonsoir, Gaëlle. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir Bruno. Le roi des émojis. Ah oui Bruno, on est Un servi. grand. Bonsoir Brigitte. Merci à toi d'être présent. T'es présente. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Marie. Et voilà, bonsoir Isabelle. Ah, c'est bon, merci Marie, merci Ché, merci Gaëlle pour vos retours par rapport à la technique. Voilà, alors ben, je propose qu'on commence cette soirée tout simplement en te laissant la parole, Philippe. Et ainsi, on va pouvoir voilà, parler de cette idée que tu m'as partagée, auquel j'ai adhéré. Et voilà, qui va nous permettre justement d'organiser ces rencontres de l'éveil. Voilà, écoutez, ça fait longtemps que j'avais envie de trouver un moyen de nous retrouver toutes et tous ensemble et de partager. Vous savez que l'éveil intervient de manière multiple et qu'il n'y a pas une voix, mais qu'il y en a plusieurs qui participent ensemble pour l'éveil. Et il se trouve que le lieu où j'habite, eh bien, on l'a nommé Terre des Veilleurs. Donc, c'est la terre des gens qui veillent, mais aussi c'est la terre des éveilleurs. Et il se trouve que j'ai rencontré Nicolas. Bon, qui a donc appelé son site net Éveil Homme. Voilà, donc Terre des Veilleurs et Éveil Homme se sont retrouvés pour vous présenter les rencontres de l'éveil. Donc, les rencontres de l'éveil, c'est l'idée de présenter différents intervenants, différentes manières d'aborder l'éveil, de nous relier à notre terre-mère très très fortement et de pouvoir, à travers ceci, surtout se rencontrer. Se serrer la main, faire des actions pour la terre, toucher avec la nature, toucher la nature, danser ensemble, jouer de la musique, etc., chanter ensemble, participer, échanger. Et ceci au mois d'août. Donc, chez nous, on a 5 hectares de terrain, il y a de quoi camper, il y a une piscine, il y a une cuisine d'été, etc. Et puis il y a une superbe salle, c'est un temple pour travailler avec une terrasse de 160 mètres carrés. Donc on a de quoi et faire la fête et travailler dans de très bonnes conditions. Donc ces rencontres de l'éveil, on a décidé avec Nicolas à la fois de les ouvrir en présentiel. Donc eh bien, aux personnes qui s'inscriront, on évalue entre 30 et 50 personnes nos capacités d'accueil. Et de l'ouvrir aussi, et ça c'est la grande surprise aussi, en virtuel. Pour les gens qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, pour qui les périodes ne correspondent pas à des périodes obligatoirement de vacances, donc ils pourront le suivre et parfois en direct et parfois en replay.
Donc, on va faire de notre mieux, puisque c'est la première fois qu'on organise ceci avec Nicolas. Et dans tous les cas, voilà, c'est donc il y a bien sûr deux tarifs différents. Donc là, le but de la soirée, c'est de vous présenter, alors déjà, le lieu, l'emplacement, parce que vous dites Terre des Veilleurs, c'est bien, mais où c'est? Est-ce que c'est à côté de Paris? Est-ce que c'est dans le Nord? Est-ce que c'est en Bretagne? Est-ce que c'est à côté de Lyon? Donc, Terre des Veilleurs, c'est placé dans le Var, et c'est placé un petit village qui s'appelle Carnoules. Et ce petit village est placé, on va dire, à 35 minutes de la mer. Et il est placé, l'avantage qu'il a une gare qui est placée sur la ligne de chemin de fer qui va de Marseille ou Toulon à Nice. Donc il est très facilement accessible par le train. Et puis après, on peut organiser des systèmes où des personnes prennent d'autres personnes qui arrivent au train. Et puis il est à 20 minutes de la sortie d'autoroute qui est à Brignoles, donc l'autoroute qui relie Aix-en-Provence à Nice. Donc c'est très facile d'accès. On est dans un lieu ici qui est en dehors du village, entouré de terres agricoles habitées, à la manière du Var. Mais c'est extrêmement calme, puisqu'il y a aussi une zone NA tout autour, très verte, où on peut partir balader à pied et autres. Donc les rencontres de l'éveil, c'est 3 jours. Donc les 5, 6, 7 août, avec un accueil le vendredi matin, et on commencera le vendredi après-midi, avec une grosse fête le samedi soir, avec beaucoup de thèmes donc qu'on va vous présenter ce soir. Et avec. Pour ceux qui le souhaitent, un petit extra, s'il y en a qui souhaitent rester un jour de plus, on va proposer d'aller à la grotte de Marie-Madeleine, qui est placée à 1 heure de chez nous, à Plandops, et d'aller là-bas, et au retour, de s'arrêter à la basilique de Saint-Maximin à Sainte-Baume, où Marie-Madeleine a été enterrée. Bon, il y a une relique qui est présentée dans la crypte, qui n'est pas celle de Marie-Madeleine, pour moi. Mais du moyen, la crypte vibre très, 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 très fort. Et il y a beaucoup de monde dans cette crypte de Marie-Madeleine. Et nous allons voir aussi, donc par rapport à cette journée extra du lundi, si je peux contacter l'organiste pour qu'il joue de la musique sacrée dans le cadre de la basilique. C'est un des meilleurs organistes de France dans le cadre de la basilique de Saint-Maximin à Sainte-Baume. Donc voilà, 2 jours et demi de rencontre, 3 jours avec l'arrivée. Possibilité de dormir sur place dans un lieu magnifique, de rencontrer des intervenants sur des thèmes très variés et donc de voir les diversités, les diverses formes que peut prendre l'éveil pour vous ouvrir, pour se rencontrer ensemble, pour discuter, pour échanger, pour danser, pour participer et se voir vraiment en contact. Et vous verrez, on a pu faire ceci à des prix tout à fait raisonnables. C'était ce qu'on avait discuté avec Nicolas pour l'ouvrir. Voilà, donc c'est ce qu'on vous présente ce soir. Merci infiniment Philippe. Et bien tout de suite, je propose qu'on voie une petite vidéo justement du site. Et en tout cas, on a déjà le témoignage de Lily qui nous dit voilà, j'y suis déjà allé et que c'est magnifiquement calme et serein. Et c'est vrai que moi, j'ai regardé la vidéo, c'est un lieu, moi, j'y suis jamais allé personnellement, mais qui a l'air vraiment magnifique. Donc, on va voir la vidéo, je vais partager l'écran. Voilà, avec l'audio. Hop. Voilà, alors déjà, donc ça c'est la présentation. Donc on va voir effectivement les intervenants qui seront présents et quel stage, quelles conférences, beaucoup de conférences initiatiques auront lieu, des ateliers, donc ça va être vraiment super. Et on va voir, voilà, la présentation tout de suite du site. Voilà, je mets le son au maximum. Ouais.
Voilà. Voilà Voilà. pour la présentation. Donc, ça a l'air vraiment un lieu magnifique. À présent, eh bien, je vais te laisser la parole, Philippe, car je crois que tu as une présentation PDF. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vais partager comme ça, petit à petit, ça nous permettra, ça nous donne un guide pour la soirée de ce soir. Vous en avez l'habitude, vous savez, pour ceux qui nous suivent. Voilà, donc le diaporama, il n'est pas partagé. Donc voilà, le diaporama, voilà. Donc les rencontres de l'éveil, donc là, c'est là où vous voyez tous les intervenants. Donc je vais vous les présenter petit à petit. Alors, je vais ici. Alors, les rencontres de l'éveil. Bon, éveil homme et Padmalovine sont fiers et heureux de vous accueillir en présentiel ou en virtuel pour ce fantastique événement. Et c'est vrai qu'on est vraiment contents parce que pour nous, c'est la première fois qu'on organise ceci. Et c'est un plaisir d'accueillir sur ce lieu qui est vraiment fait pour ça. On y investit toute notre énergie. Le temple dans lequel on accueille, on fera la plupart des rencontres. C'est une salle construite en bois paille qui fait 110 mètres carrés pour travailler, plus 25 mètres carrés pour accueillir, qui a été construite, bien sûr, sur toutes les harmoniques sacrées, du nombre d'or, etc. On retrouvera la coude égyptienne et le pied druidique, tant en plan qu'en élévation. Donc, c'est un lieu qui vibre énormément, qui est honoré par nous. Donc, ce lieu favorise l'éveil, il favorise vraiment la descente de ceux qui viennent des présences. Donc, les rencontres de l'éveil, ce sont des pratiques du corps, des pratiques du son, des pratiques de l'esprit, des cérémonies pour la terre qui se mêlent ensemble pour nous permettre de nous retrouver toutes et tous libres, neufs et lumière dans notre incarnation. Donc ces 3 jours dans lesquels vont intervenir à la fois des guérisons, tant par le corps que par le son, que par du travail chamanique, des cérémonies à la terre, des interventions d'êtres de lumière qui vont vous permettre de ressortir avec encore plus de confiance et de partage en vous pour la réalisation de votre dessein de vie. N'oubliez pas, 2022, comme je vous l'ai dit, c'est l'année de votre passage, de votre réalisation. Donc, ces rencontres sont faites pour cristal, pour vous densifier à l'intérieur et vous permettre de trouver les socles de votre réalisation vraiment dans la matière, de manière à incarner la lumière dans la matière. On a besoin de votre vibration, on a besoin de votre incarnation, le monde en a besoin. Voilà, donc les rencontres de l'éveil, c'est 14 intervenants ce jour, ce sera peut-être 15 dans quelques jours, on attend une réponse, mais bon, on va dire 14 intervenants, 17 heures d'intervention et de cérémonie pour la Terre, et une soirée de fête, de danse et de musique. Ça, j'y tiens, parce que je sais que c'est toujours des très bons moments. On sort les djembés, les tambours, et puis bon. Voilà, donc les rencontres de l'éveil, donc il va y avoir les pratiques du corps. Donc l'éveil matinal, eh bien, sera mené par que j'ai appelé l'art du chi. Après, ils vont nous expliquer. Donc, seront présentés par Dany Saboulard et Annelise Motte et l'association Lami Chi, méthode Stevanovic. Donc, justement, Annelise est là. Dany n'a pas pu nous rejoindre cette fois-ci, mais elle nous fera peut-être un petit coucou la semaine prochaine, la prochaine fois, dans 14 jours, quand on présentera la suite, puisqu'on ne peut pas vous présenter les 14 intervenants ce soir. Là, ce soir, on vous présente une première partie. Donc, Annelise, si tu veux présenter si tu veux présenter l'association, et Nicolas, si tu peux mettre Annelise en. Voilà. Alors, Oui. super. voilà. Excellent. Alors, en fait, c'est assez simple pour suivre un petit peu ce qui a été dit précédemment. On a eu l'occasion avec mon ami et collègue Dani, qui est une très ancienne dans l'école. De trouver ce lieu incroyable, cette terre des veilleurs, où on va être amené à faire des choses en lien avec lui. Et l'art du chi, c'est le nom de notre école qui est présente dans une quinzaine de pays, qui existe depuis une trentaine d'années. Donc on a un petit bagage, mais chacun à notre façon, évidemment. Donc si on est vu à d'autres endroits, vous pouvez trouver de quoi pratiquer si ça vous parle. L'art du chi, dans l'art du chi, il y a chi, évidemment. Et le chi, c'est l'énergie, c'est la vibration, ça peut être appelé de plein de façons dans différentes traditions.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est de le ressentir, de le vivre comme quelque chose d'extrêmement concret. On n'a aucun enseignement théorique. C'est un choix. Il y en a qui font ça très bien. Mais on propose donc à chacun de faire l'expérience. Et l'expérience du chi, c'est une exploration, en fait, où on va petit à petit arriver à percevoir notre propre chi, donc le chi à l'intérieur de nous. On va également beaucoup développer cet instrument magnifique qui est la main, et que la main puisse devenir vraiment une antenne à chi, à perception, à ressentir, diriger le chi, etc. Donc c'est vraiment une exploration intérieure, mais qui va nous porter vers l'extérieur. Donc on pratique différentes choses. On pratique un travail au sol dans tous nos cours. On pratique beaucoup l'assise avec des techniques de respiration, de centrage. On apprend à percevoir notre centre énergétique, notre source, notre réserve. Et ça devient quelque chose d'extrêmement extrêmement concret. Et on va être petit à petit capable de mobiliser ce centre pour des besoins vigoureux quand on en a besoin, pour des besoins plus souples, plus subtils, quand on a besoin de se mettre dans un autre état. Voilà, tout ça c'est pour la partie, on va dire, au sol. On va aussi beaucoup travailler la fluidité du corps, parce que pour que l'énergie circule, on ait un corps qui se dévoile un peu. On est pas mal derrière les ordis, tous autant qu'on est intéressé par nos sujets, mais bon, voilà, on a besoin de dénouer plein de choses. Donc, ça passe aussi par des automassages, par un tas de choses. Et puis, le propos, c'est après de mettre tout ça en mouvement. Pourquoi ? Parce que le chi, l'énergie vitale, le prana, tout ce qu'on peut l'appeler de différentes façons. C'est quoi l'énergie ? C'est de la vibration. On a déjà un petit peu parlé en début de soirée de taux vibratoire, d'élevé, de sentir des lieux aussi qui nous apportent. Donc c'est du mouvement. Et donc ça nous emmène vers le Qigong, une série très particulière de Qigong qui ensuite nous amène au Tai Chi Chuan. Et on a dans l'école toutes les formes de Tai Chi Chuan, partant de la forme des 24 postures qui dure une dizaine de minutes, les 108, 3 quarts d'heure, et 127, plus de 2 heures. Donc des méditations en mouvement extrêmement précises, parce que chaque geste est très 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 précis. Il a une origine martiale, ça veut dire qu'il est tout à fait dans la logique du corps, et il fait circuler nos énergies. Donc, si je résume, c'est on va travailler beaucoup la main, sentir le chi, le manipuler, pouvoir le faire circuler, voilà, librement dans le corps, mais aussi vers l'autre, bien sûr, sentir le chi de la nature, des arbres. Donc, dans ce lieu magnifique, évidemment, on va être archi servi à la fois par la nature et par l'architecture et la construction de ce lieu qui élève, qui porte. Voilà, donc voilà tout ce que je peux en dire, parce que justement, je ne vais pas, moi, de ma place, orienter les choses dans une approche, j'allais dire, d'apprentissage autre que du corps. Voilà. Et tout ça, évidemment, ça nous amène à plein de choses, mais ça va amener chaque personne à l'endroit où il a besoin d'aller, avec un corps fluide, réceptif, sensible, à l'écoute, ouvert et à la fois fort, ancré, centré, les pieds sur la tête et le reste très haut, quelque part. Voilà. Pour en parler des heures, hein, mais l'idée c'est qu'on pratique ensemble et ce sera le matin, donc je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ce programme comme ça. Parce que ça va nous mettre au corps pour ensuite recevoir ce qu'on va entendre, ce qu'on va voir, devenir des êtres sensibles, des antennes. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le coup.
C'est magnifique parce qu'à travers les mouvements de tes mains, je sentais le chi circuler en moi, et la vibration, j'étais déjà dans les mouvements. Donc c'est vraiment, j'adore ça. Bon, Extra, oui. voilà. Ouais, j'étais un adepte des sports de combat, j'en ai fait beaucoup et maintenant j'ai pratiqué pendant 15 ou 20 ans. Donc c'est des pratiques qui m'inspirent énormément. C'est vrai que c'est des pratiques qui renforcent l'intérieur, qui renforcent les organes, qui renforcent les os, et le fait de que vous veniez, que vous nous fassiez les matinales comme ceci, ça va vraiment, c'est magnifique. Et puis c'est vrai que nous, on parle du chi, et le chi, il peut être une voie pour plein de choses. Pour le combat, par exemple, hein, où on va avoir un chi très épais, très concentré, très explosif, mais ça peut être aussi pour la santé, ça peut être pour le soin, ça peut être pour la quête spirituelle, ça peut être pour la vie quotidienne. Donc, effectivement, chacun, chaque personne qui sera là pourra voir ce que ça lui fait et vers où ça l'emmène, explorer. Extraordinaire. Eh bien, merci Annelise, merci à Dani qui n'est pas présente mais elle est présente par le cœur. Oui, bien sûr. Voilà, c'est super pour cette présentation. Merci, merci beaucoup, Annelise. Merci. Ouais, moi j'y étais déjà. Donc après, c'est les rencontres de l'éveil, donc une rencontre avec les êtres des nations stellaires. Alors, bon, ne sachant pas, voilà, pour l'instant j'ai avancé un thème, mais c'est Nicolas qui va préciser un petit peu ce qu'il veut, sachant que pour l'instant on est à quelques mois, donc les thèmes vont se peaufiner au fur et à mesure. Vous savez très bien qu'on reçoit aussi des choses par moment qui nous font complètement changer, des fois 3 semaines avant ce qu'on avait dit. Bon, mais vous nous connaissez, vous savez qu'on fera quelque chose qui vous amènera dans tous les cas. Donc pour l'instant, j'avais pris un champ large pour pouvoir écrire quelque chose. Je vais laisser Nicolas en parler. Donc une rencontre avec les êtres des nations stellaires, avec une petite faute d'orthographe, vous m'en excuserez. Et la vibralisation quantique d'éveil des galactiques. Voilà, c'est large. Par mon ami Nicolas, avec cet enfant qui touche la Terre avec des codes de lumière. Donc. Bien, c'est ça, tu as bien visé. Alors, moi-même, à cet instant, précisément, je ne sais pas exactement comment va se dérouler voilà, cette conférence et cette vibralisation. J'ai envie de parler d'un terme qui, ces derniers temps, me tient à cœur, qui est un terme que j'affectionne, qui est la communion. Donc, ce sera une communion, on va dire, vibratoire et vibrante. Et il n'y aura pas que les êtres galactiques, il y aura aussi les êtres de l'intra-terre. Et donc chaque être, en fait, recevra personnellement ce dont il a besoin, les fréquences, les vibrations dont il aura besoin dans l'instant T. Et donc voilà, ce sera à la fois un soin, à la fois une communion, à la fois une reconnexion à soi aussi, parce que, bien entendu, de grandes parts de nous sont aussi des étoiles ou de l'intra. Donc, ce sera un peu tout ça, et ça se fera de façon tout à fait simple, naturelle. Il y aura beaucoup de choses qui seront réalisées dans l'accueil, dans le silence, pour justement recevoir la vibration, la fréquence telle qu'elle vient, telle qu'on en aura besoin dans l'instant T, en fait. De façon à ce que voilà, le mental, que ce soit une vibralisation orale ou autre, ne passe pas par le plan verbal ou mental, mais qu'on soit dans la présence. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est être dans la présence et de communier, d'accueillir nos frères et sœurs, de communier tous ensemble. Voilà, et d'apprécier ce moment, tout simplement. Eh bien, c'est un thème qui est magnifique, la communion, c'est très très beau et j'aime beaucoup par l'ouverture qu'il amène. Alors sache que tous les esprits de la nature qui sont là, ils ont ouvert l'oreille aussi, ils ont dit nous aussi, nous aussi. Et les dragons qui sont présents sur place vont aussi descendre, donc il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. En ce moment, les dragons m'accompagnent Tu beaucoup. vas avoir des Bouddhas, des Taras, des Voilà, lumières, il va y avoir tout vraiment le monde. voilà, des dragons, des licornes, des Voilà. fées, des ondines. Voilà, on va accueillir tout le monde et ce sera vraiment
une grande communion. Et encore une fois, chacun pourra recevoir ce dont il a besoin dans l'instant présent. Bon, mais c'est magnifique. Mais c'est très, très bien. Très, très bien. Donc, ben super. Donc, ben écoute, merci Nicolas pour avoir présenté ton thème. Merci. Donc, vous voyez, déjà, on va se régaler. Alors, j'ai aussi un ami, Michel Tauziède. Donc, Michel, on est amis depuis 35 ans maintenant. On s'est rencontrés dans la voie de Carlos Castaneda, et donc de Don Juan, et on a travaillé ensemble pendant plus de 22 ans. Et dans cette voie-là, qui était une voie très difficile et très, très, très bien pour travailler sur différentes choses, pour travailler sur soi, pour casser le mental, casser les habitudes, etc. Et transformer l'ego, retourner l'ego, enfin bon, beaucoup de choses. Hein. On a fait travailler la présence. Et donc, Michel est maintenant, après de multiples vies en une vie, il est maintenant auteur de poésies qui sont absolument magnifiques. Donc, ce soir, il ne sera pas là, mais on pourra, après l'avoir présenté, Nicolas va vous présenter une petite vidéo qu'il a faite, de manière à ce que vous le rencontriez. Il va y avoir des dires de poésie. Bon, ben, je serai à côté de Michel, peut-être que j'en dirai une ou deux. Je ne manie pas les mots aussi bien que ce qu'il les manie dans la poésie, mais je transmets des choses par les fréquences que j'aimais aussi qui sont intéressantes. Puis ce sera rigolo d'être avec cet ami. Et pourquoi la poésie? Parce que la poésie, c'est retrouver la beauté des mots, c'est retrouver la beauté du rythme. Et l'important, ce sont les fréquences qui sont derrière les mots, derrière les rythmes, derrière la beauté qui est présente là. Et Michel a une beauté intérieure qui est absolument magnifique. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous allez vivre ça. Donc, il y a des pratiques du corps, c'est ce qu'on vous a présenté avec Annelise et Dani. Il y a voilà, des pratiques de communion. Il va y avoir aussi des pratiques de l'écoute pour s'éveiller. Avec Michel, qui est auteur du livre « Les dits de silence à des fragments de chaos mêlés ». Et je vous ai mis un de ces petits poèmes avant de commencer. Donc, qu'en est-il de la nuit? Nous traverserons un parvis d'intention, cheminant dans la nef d'une cathédrale de clarté, pour un rendez-vous sous l'immense ogive matricielle du matin. Nos âmes, alors, auront de qui tenir. Voilà, c'est Michel et j'aime beaucoup. Merci. Voilà, je partage l'écran peut-être pour voir sa présentation. Excellent. Voilà. Je suis assis, immobile en moi-même. À partir de là, je peux courir le risque d'aller à ta rencontre. Certitude brûlante et sans attente que tu vas venir tout prendre de moi, car tout en moi est inséparé. Relation d'intimité où seul je réside, où l'amour me libère de l'amour. Je t'aime en chaque rendez-vous. Dans mon étreinte avec toi, tu me montres qu'aimer, c'est choisir l'amour par lequel je n'ai pas encore appris à aimer. Bonjour les amis, je suis Michel Tauziède. Je vous donne rendez-vous le 5, 6 et 7 août 2022 en Terre des Veilleurs à Carnoules. Je vous propose un temps de rencontre autour de textes poétiques porteurs de sens. J'ai intitulé ce moment de partage au travers de lecture « Et si la poésie ?» Car nous avons besoin plus que jamais de poésie pour passer la porte des opportunités que ce monde dispose pour nous. Nous avons besoin plus que jamais de poésie pour accueillir avec sérénité les contre-coups du chaos apparent. Ce samedi 6 août, nous ferons poésie de l'instant, poésie des mots, poésie de nous-mêmes. Nous sommes porteurs de paroles. Alors à très bientôt en Terre des Veilleurs, à Carnoules. D'ores et déjà, vous pouvez, si vous le souhaitez, visiter le site micheltauziède.com qui présente le recueil de poésie que j'ai écrit. Je vous remercie, à très bientôt pour ce temps heureux de se rencontrer. C'était magnifique.
Voilà. Merci beaucoup. Donc, à présent, je repartage peut-être ton écran. Oui. Oui, voilà, on va retrouver, donc on aura aussi de l'initiation à la communication animale, parce que nos frères et sœurs animaux font partie de notre vie de tous les jours. On est nombreux à avoir des chats, des chiens, et parfois d'autres animaux. Et donc, Marie-Laure se propose de nous initier à la communication animale. Voilà, elle est juste là. Bonjour. Voilà. J'apparais dans la fleur, c'est bien. Oui, ouais, c'est très bien. Tu es illuminée de lumière derrière voilà. toi. Oui, moi, je suis ravie d'être avec vous. Donc, moi, je pense effectivement qu'il est temps d'éveiller les personnes à la communication animale. Je constate très souvent, de plus en plus souvent, les gens, ils sont de plus en plus ouverts à ça. Par leur réflexion, par leur perception aussi, je pense qu'ils commencent à percevoir plus facilement tout ce qui peut être communication télépathique avec leur animal. Voilà, donc je trouve ça dommage de pas leur mettre un pied à l'étrier pour faire passer le cap en fait du mental, parce que c'est tellement simple finalement que c'est tellement simple que les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est dommage de pas avoir le potentiel d'entendre tous les messages que les animaux ont à nous partager. Voilà. Autant ils ont à nous amener à nous, autant les comprendre avec la communication animale, ça permet aussi d'avoir d'autres relations avec eux. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire pratique aussi avec une méthode simple, accessible à tout le monde, qu'on puisse avoir des résultats voilà, rapides, que les gens prennent confiance en eux. Voilà, en gros, on fera une petite méditation, se mettre un petit peu dans une bonne vibration. J'expliquerai un peu théoriquement, vraiment très vite, un peu la télépathie, les ondes cérébrales, voilà, sans rentrer dans le détail. Et puis après, on passera aux exercices pratiques. Donc, si les personnes veulent ramener des photos d'animaux, voilà, de leur entourage, je pense qu'il y aura aussi peut-être des animaux sur place, hein, des chats, des chiens, des chevaux, voilà, donc on pourra s'entraîner. Oui, il y a ça, je fais les chevaux. Oui. Voilà, donc il y a ce qu'il faut. Là, tu vois, c'était un de mes chevaux que j'avais amené justement pour faire des soins sur lui lors d'un stage. Super. Donc, on pourra s'entraîner, voilà, et puis se poser des questions les uns les autres, voilà. Et ça amène plein de belles choses, l'ouverture aussi d'esprit à autre chose, voilà, avec nos animaux. Qui font partie de la vie de chacun, pratiquement, que ce soit les animaux sauvages ou les animaux domestiques, voilà. On peut parler avec tout le monde, voilà. Merci. Voilà. Marie-Laure l'a abordé, à la fois c'est important pour nous toutes et nous tous, puisqu'on est tous en contact avec des animaux, comme tu dis, à la fois sauvages et domestiques, puisque j'ai aimé, quand tu as abordé aussi le côté que ça permet aux gens de prendre confiance en nous. Parce que... En général, dans la communication avec l'invisible et la communication invisible, justement, il y a toujours un passage dans la confiance qu'il est nécessaire de travailler. Et par ce que tu vas proposer, c'est un autre moyen d'y entrer dedans. Et donc, ça va aider beaucoup, beaucoup de gens aussi dans cette voie-là à se faire confiance dans leur ressenti intérieur. Donc, c'est une belle expansion. Et je trouve que c'est bien parce qu'on amène vraiment l'éveil dans la matière à tous les niveaux. On ne fait pas que... Ouais, c'est une autre entrée pour... voilà. Tout à fait. Tout à fait. Les esprits. Super. C'est magnifique. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Marie-Laure. C'était super. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. C'est bon. Voilà. C'est super, hein, c'est un thème aussi très intéressant. C'est-à-dire que vous voyez là petit à petit, au fur et à mesure que les personnes se présentent,
La manière d'aborder les rencontres d'éveil, ça reste à chaque fois très relié à notre terre-mère et à Gaïa, et c'est ce qu'on dit, du moins c'est les intervenants qui sont là, c'est vivre notre lumière dans cette incarnation-là. Si on a fait le choix de cette incarnation, c'est le moment de l'incarner, alors que notre énergie circule bien en nous, qu'on soit bien dans notre corps, dans nos mouvements, qu'on soit bien dans notre relation avec l'extérieur, avec le chi extérieur qui est présent partout, qu'on soit bien avec la terre-mère, avec les cérémonies, tous les anciens, tout le travail qu'ils ont fait aussi, qu'on soit bien avec les animaux, qu'on soit bien avec tous les êtres de lumière, et qu'on soit bien dans la parole aussi, la parole qui vient du cœur, ça c'est le travail de Michel aussi. Donc c'est toutes ces voies-là qu'on va explorer, de manière à vous montrer, à vous faire découvrir des facettes que vous ne pensez pas obligatoirement aller voir, qui sont des facettes très concrètes, et dans laquelle se présente l'éveil, puisque l'éveil c'est dans la vie de tous les jours, c'est aussi quand on fait la vaisselle le soir, quand on fait à manger, quand on va étendre le linge, quand on le ramène. Enfin, c'est toutes ces choses-là quand on fait les courses, quand c'est à tout moment l'éveil. Effectivement, ouais. Ça apporte vraiment beaucoup de choses de pouvoir communiquer, j'ai envie de dire communier avec les animaux aussi, parce que voilà, on apprend à les comprendre, on apprend aussi ce qu'ils veulent nous dire par certains comportements. Et je sais que ma fille, elle est très douée à ce sujet. Elle communique avec les chevaux, avec les chèvres, les ragondins, et ça nous apporte tellement de joie, de bonheur, et aussi de pouvoir avoir une interaction avec ces êtres qui sont aussi d'un autre règne, mais qui ont tant de choses à partager avec nous. Et ça, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, après les rencontres de l'éveil, ah oui, mais c'est moi. Donc, voilà, donc les thèmes, comme je vous l'ai dit, alors j'ouvre un petit peu parce qu'il y a quelques créneaux dispo, parce qu'on n'a pas tout rempli pour l'instant, pour se laisser de la souplesse, on verra un petit peu au moment hein, aussi. Donc, ces rencontres vont nous faire travailler aussi sur notre assise fondamentale. Et vous savez, on parle souvent de se créer des fondations pour arriver à atteindre notre éveil. Et quand on passe fondation, on pense souvent au béton ou à des pierres ou à des choses comme ça. Mais plus ça va, plus moi je trouve mes fondations dans la mer et dans l'eau. C'est-à-dire que ce sont des fondations qui sont mouvantes, qui sont changeantes comme l'énergie, qui ne sont pas rigides. Et je trouve que trouver son éveil dans ces fondations et cette souplesse, et si lors des rencontres vous la trouvez avec nous, vous accepterez qu'il y ait des changements par moment par rapport au programme, qu'il y ait des adaptations, qu'il y ait des choses comme ça. Et vous nous en tiendrez surtout par rigueur, parce que c'est cette souplesse-là de nos fondations qu'on a à mettre en place pour répondre à l'instant et être le plus possible dans les vibrations de l'instant. Vous savez que c'est une vibration de cœur qui nous conduira à changer certaines choses, qu'il n'y aura pas d'autre raison. Donc voilà, donc pour l'instant, dans le contexte d'aujourd'hui, j'avais envie de témoigner de l'éveil à la lumière de l'ascension. Donc, en fait, ce sera au mois d'août, qu'est-ce que sera l'éveil à la lumière des énergies présentes d'évolution, et comment se présente-t-il dans ce contexte-là, comment peut-on aller encore plus loin que ce vers où on est actuellement et ce vers où on va. Donc, ce sera ces éléments-là. Et après, j'aimerais bien, voilà, ça va dépendre un petit peu du temps, mais enfin, en ce moment, je suis beaucoup dans l'énergie des peuples marins. Je fais des soins aussi avec, dans mes derniers soins, ils sont beaucoup présentés. Ce matin, j'ai eu une série de synchronicités là-dessus. Bon, je vais normalement aller plonger du 15 au 22 octobre. J'ai passé une semaine en mer Rouge avec les dauphins. Et donc, je suis actuellement très, très en vibration avec ça. Il y a des synchronicités qui se présentent, etc., pour que je fasse des soins avec ces êtres-là, avec leur vibration. Et donc, j'ai envie de vous partager ceci, parce que, bien que j'en parlerai mardi prochain dans le live que je ferai déjà, je ferai un live sur le thème, bon, vous le trouverez sur mon site Facebook, peu importe, avec les dauphins. Et donc là, ce que j'aimerais dans les rencontres de l'éveil, c'est mettre en place une vibralisation. Donc c'est vraiment la vibralisation, ce sont des messages qui vont venir d'eux, d'éveil, des quatre animaux marins de Sirius qui sont présents sur Gaïa. Donc les quatre animaux marins, ce sont les dauphins, la baleine,
Les bélugas, donc ces animaux un peu comme des dauphins, mais blancs, qui n'ont pas tout à fait la même forme de tête, qui vivent beaucoup dans le Saint-Laurent. On en trouve beaucoup par là-bas et qui remontent vers l'Arctique par moment pour aller faire naître pour leurs petits. Donc les bélugas et les narwals aussi. Voilà, donc ce sont ces quatre animaux-là qui sont présents sur Terre, donc avec des vibrations venues de Sirius et autres. Et j'aimerais bien faire les vibraliser au moment parce qu'ils entraînent un processus de guérison et d'éveil qui est absolument extraordinaire. Donc, voilà, ce sont mes propositions. Merci, magnifique. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion dans un atelier spécifique avec Isabelle, justement d'être en communion, en connexion avec ces énergies, ces êtres. Et ça fait partie d'un des plus belles ateliers que j'ai vécu. Et ce sera vraiment un grand moment, être un grand moment avec plein d'amour, plein de douceur, des guérisons, voilà, ce sera vraiment magnifique. Et merci beaucoup à eux et à toi de nous le proposer. Ben excellent, excellent. Voilà, donc après, donc vas-y, tu me remets sur le partage, Nicolas. Ouais. Hop. Voilà, donc après, donc dans la deuxième partie donc des rencontres de l'éveil, donc ce sera dans 14 jours, donc le 26. Voilà, on vous présentera l'éveil au féminin avec Asher Angel. Bon, je n'ai pas encore eu de réponse pour savoir si elle serait présente ou pas. Je pense qu'elle sera, je le sens. Elle sera normalement, parce que j'ai l'échange que j'ai eu avec elle. Ah, extraordinaire, extra. On aura donc l'éveil au féminin, l'éveil chamanique au féminin avec ma chérie Martine Isadora, qui va nous faire les guérisons chamaniques et qui, j'espère, pourra nous faire un soin sonore, puisque bon, elle a tous ses bols, gongs, etc. Donc pour nous faire un bain sonore, voilà, en tant que femme médecine, qui a créé la méthode Spirit Medicine Healing, qui est une sound healer et qui est auteur du livre Soins chamaniques pour tous au quotidien, avec un travail avec les esprits des animaux, des végétaux, des minéraux et d'autres êtres de lumière. C'est un livre qui est absolument extraordinaire. Et là, elle va sortir avant Noël, là, donc son deuxième tome, qui travaille et qui est quelque chose qui n'est pas. Donc, bon, je pense qu'en août, elle va faire quelques révélations et qui vraiment travaille sur les maladies physiques très, très précisément, quoi. Donc, par exemple, des problèmes de règles, par exemple, des problèmes de peau, d'eczéma, etc. Et ce sont des soins qu'elle a pu pratiquer elle-même, hein, sur elle. Et je dirais qu'à travers ce qu'elle a reçu et l'enseignement qu'elle est chargée de transmettre, ben, elle aide aussi à ce qui se passe au désert du monde médical actuel, aux difficultés d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes, puisqu'il y a une volonté en France actuellement de casser la médecine telle qu'elle est, quoi, hein, depuis environ 12 ans. Et ça continue, et donc ben, on a besoin de trouver d'autres modes de guérison. Et donc c'est ce que Martine propose. Voilà, donc ce sera ce thème-là. Elle sera présente donc la semaine. Dans 14 jours, pour vous en parler un petit peu. On aura aussi, donc on avait vu, il y a des pratiques du corps, on a vu qu'il y avait des pratiques de la parole, des pratiques de l'écoute, des pratiques de la transmission télépathique et des cérémonies. Il y aura bien sûr des cérémonies pour la Terre aussi, donc on en inclura dans les 3 jours. Il y aura des pratiques du son. Les pratiques du son seront faites par mon ami Karl, qui m'a accompagné sur beaucoup de voyages. Donc, il connaît très bien tout ce qui est femme et homme médecine. C'est un homme médecine qui aussi pratique très bien la géobiologie. On est allé ensemble sur le plus grand site sacré de la Terre. Et il a été. Donc, ce sera les puissances de guérison et d'éveil du son. Alors, hop. Ah oui, il y a une petite partie qui est avec. Les puissances de guérison et d'éveil du son, mantra énergie de la Terre, c'est-à-dire qu'il va lier ces mantras de guérison qui vont nous permettre de nous harmoniser ensemble avec sa connaissance des énergies de la Terre, donc les énergies de lumière, les vortex, etc., pour nous amener encore plus loin. Il a 2 maîtres indiens qui suivent actuellement. Bon, il y en a un, je ne vois pas apparaître le nom, je l'ai un petit peu coupé, mais il y a aussi Ama, avec qui suit régulièrement, avec qui médite régulièrement et qui l'accompagne régulièrement. Donc,
Kaka nous fera travailler sur ces pratiques du son de guérison. Ensuite, on a autre chose, c'est, on aura aussi, puisqu'on a quand même 14 intervenants, donc on a un micro qui fait pas mal de bruit. Ah pardon, c'était chez moi, j'étais en train de suivre. Voilà. Donc on aura des contes d'éveil de Valérie Dossi, qui est la compagne de Michel Tozied, qui va nous faire vivre l'éveil à travers des contes. Donc Valérie est une conteuse extraordinaire. On a été aussi, avec mon ami Michel, elle a suivi pendant plus de 22 ans cette voix de Carlos Castaneda de Don Juan, c'est là où on s'est connus. C'est une éveilleuse de conscience, elle aussi, à travers, donc, elle a d'énormes qualités. C'est une conteuse qui va vous enchanter, vous amener vraiment. Donc, c'est pour satisfaire notre enfant intérieur. Il y a une chose que je n'ai pas dit et qu'il est bien de dire, c'est que les enfants sont bienvenus. Hein. Nous, on a une fille une jeune adolescente de 13 ans ici, mais les enfants sont vraiment plus que bienvenus. Voilà. Donc, ensuite, et s'il y en avait beaucoup, on chercherait à trouver quelqu'un qui puisse les garder, on s'organiserait entre nous. Voilà, pour trouver un ou une babysitter. Donc, après, on aura Rire pour s'éveiller avec la pratique du yoga du rire par Catherine Payet, qui a été formée par le docteur Madan Kataria. Donc, rire, ça va nous faire du bien ensemble. On va avoir un voyage de guérison chamanique avec notre amie Eliane Papillon, qui va nous faire un travail de guérison chamanique au tambour, qui est une femme médecine, hypnothérapeute, qui a beaucoup travaillé dans les voies des écoles Steiner aussi. Elle était enseignante dans les voies des écoles Steiner. Elle travaille beaucoup avec Osha, qui était une disciple de Steiner et qui travaillait beaucoup par l'art-thérapie, etc. Elle fait des choses magnifiques. Donc voilà, donc notre amie Eliane va nous faire un travail là et elle sera présente. Elle, donc Valérie et Catherine, nous présenteront pas en vidéo. Mais Eliane sera là le 26 avril pour se présenter aussi à nous. Et ensuite, on aura Astoria Thompson. Astoria Thompson, c'est une femme qui a un parcours assez extraordinaire, donc qui voyage partout dans le monde, et si vous voulez, qui travaille depuis une cinquantaine d'années sur le tarot, et elle fait les thèmes de naissance des gens, et elle leur ouvre à travers ça les possibilités, et elle le fait en ayant une connaissance énorme du travail de Jodorowsky, qui a fait un travail sur le tarot de Marseille qui est absolument extraordinaire, Philippe Camoin aussi, Georges Colleuil, et plus récemment Gérard Attias, qui a fait un travail énorme sur le tarot. Elle maîtrise ça très très bien, donc elle va nous proposer de faire la rencontre avec le tarot de Marseille, le voyage du mat, donc à travers les arcanes qu'elle va tirer, de nous éclairer sur les situations présentes et autres. Et je vous assure, c'est vraiment un voyage extraordinaire avec Astoria. Quand on fait, chaque fois qu'elle ouvre et qu'elle trouve des cartes, alors bon, je ne sais pas la forme que va prendre son atelier complètement, mais je peux vous assurer que ce sera une ouverture de plus qui va peut-être donner envie à certains de s'ouvrir à cette voie-là aussi, voilà, puisqu'elle forme des gens aussi. Voilà. Donc, et ensuite, ben, comme d'habitude, vous nous connaissez maintenant. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va peut-être présenter la partie oui, financière aussi, pour dire un petit peu comment ça se passe et le site. Voilà, parce que je n'avais pas encore le lien d'inscription, parce que voilà, on est en train, Philippe est en train de terminer la mise en page de la page d'inscription sur son site. Et donc, je vais partager l'écran. Donc, en fait, sur son site, c'est dans programme en ligne, stage et webinaire. Donc, voilà, ce sera ici. Non, c'est pas programme en ligne, c'est programme en présentiel. Mais tu l'as dans programme, on l'a mis dans programme en ligne et dans programme en présentiel, l'un ou l'autre, c'est pareil. Ah, c'est deux, d'accord, dans stage et formation. Ah, c'est dans les deux, d'accord, ok. Et donc, voilà, les rencontres de l'éveil ici. Voilà, donc je vais mettre en plein écran. Voilà. Et donc, il faut dire aussi que ce sera diffusé en direct sur Zoom.
Donc, il y aura la possibilité pour les personnes qui ne peuvent pas venir de vivre l'événement, voilà, en présence, dire en énergie, parce que les énergies seront les mêmes, elles seront présentes, mais ça se déroulera donc par visioconférence. Et donc, voilà, on a voulu un tarif qui soit au plus juste possible. Et donc, c'est pour ça que donc on a fixé le tarif à 189 euros, donc qui comprend 169 euros pour justement participer aux rencontres, et encore 20 euros pour la fête de samedi soir. Voilà, pour participer à la fête. Avec il y a le un repas. Oui. Avec le repas. Avec le repas, bien sûr, oui, oui. Avec le repas. Et donc, il y a également un tarif couple, donc voilà, qui vous permet d'avoir un rabais si vous êtes en couple, si vous souhaitez venir en couple. Et voilà, la journée supplémentaire du 8 août, la journée Marie-Madeleine, donc à 49 euros. Voilà, pour les personnes qui souhaitent rester encore le 8 août et de continuer avec nous. Alors voilà, et en virtuel, donc ce sera 99 euros. Donc vous aurez la possibilité de le suivre en direct, ou alors également en replay. Donc il y aura les vidéos seront envoyées. Et donc voilà, c'est ce qu'on vous propose. Et donc on peut régler en 4 fois par PayPal ou en 2 ou 3 fois par carte bancaire également. Voilà, et donc ensuite, vous avez voilà les intervenants qu'on finira de présenter donc dans 15 jours. Pour avoir plus d'informations sur les intervenants, vous cliquez sur une photo et ça vous amène sur la page des intervenants. Voilà. Petit à petit, on va aller plus loin dans la présentation. Bon, là, on a fait les choses comme on peut les faire. Voilà, on fait de notre mieux, c'est ce qu'on vous apprend. Et puis, bon. Ah, c'est super. Voilà. Donc là, vous avez la présentation des intervenants avec voilà, les vidéos. D'ailleurs, je crois qu'on a une vidéo d'Astoria, non? Oui, qui est placée en dessous et en fait que j'avais faite à l'île Maurice, qui parle très très bien de ce qu'elle a. Donc, soit on peut la présenter maintenant, soit on la présentera la semaine prochaine. A priori, c'est ce que j'avais prévu. Oui. La semaine prochaine. D'accord, ok. Voilà. Voilà, donc vous avez le programme de chacun. Hein. Voilà. Donc, du coup, je ne sais plus comment je reviens en arrière. Là. Oui, ah. Voilà. Voilà. Excellent. Et bon, pour tous vos renseignements, bien sûr, vous pouvez contacter Philippe. Voilà, après, ce que je peux parler, c'est que l'hébergement, bon, étant plus sur place, on a des possibilités d'hébergement. Il va y avoir le Tipeee, peut-être la Tiny House pour un couple qui accueille 2 personnes, et puis après ce sera le camping, on peut accueillir des camping-cars ou des voitures. Voilà, on a des possibilités de camping avec un bloc sanitaire, la possibilité de se faire à manger dehors, et puis si vous organisez suffisamment avant, il y a pas mal d'hébergements autour. Bon, après la période d'août, c'est un petit peu plus difficile pour 3 jours. Mais bon, voilà, s'il y a des gens qui sont prêts à camper, l'avantage, c'est que c'est simple et que ça permet de venir et de dormir pour pas cher. Ça fait que 2 nuits, ça peut faire 3 nuits si vous souhaitez venir une nuit de plus. Et puis, pour ceux qui restent jusqu'au lundi, le dimanche soir, ils peuvent très bien aller à la mer, c'est pas très loin. Et se faire une soirée, le coucher de soleil à la mer, c'est très agréable. On le fait souvent et c'est très, très agréable. Voilà, donc... Vous avez eu les rencontres présentées Ben oui, alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, on est là pour les répondre. Et puis, voilà, si jamais, donc il y a possibilité de nous contacter par mail.
Voilà. Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de passer 3 jours ensemble, 4 jours pour ceux qui prendront l'extra avec Marie-Madeleine, et ça va faire beaucoup de bien parce qu'il y a besoin, et puis aussi d'accueillir cette diversité des formes que prend l'éveil. Ça va faire du bien à tout le monde pour ouvrir des champs et puis sortir un petit peu par moment, prendre des voies. On oublie de regarder ou on n'est pas en contact avec les voies d'à côté. Là, c'est le moment d'élargir nos champs de perception et d'ouverture. Si on vient depuis la Suisse, bien sûr, la gare, alors ce que je disais, c'est qu'on habite à Carnoux, c'est un petit village, et de là où j'habite, qui est vraiment campagne, je suis à 7 minutes de la gare en voiture. C'est la petite gare. Donc, quelqu'un qui vient de Suisse va prendre le train jusqu'à Marseille ou Toulon. Et une fois qu'il est à Marseille ou Toulon, c'est la même ligne, il prend le train direction Nice et qui s'arrête à Carnoux. Il y en a à peu près toutes les 2 heures. Donc, dans la journée, il y en a au moins 6 qui s'arrêtent à Carnoux. Voilà. Donc, c'est très simple si on vient de Suisse. Il y a vraiment une gare tout près où il y a 7 minutes du lieu. Voilà. C'est très simple. Pour ceux qui viennent, s'il y en a qui viennent de plus loin, qui viennent en avion, ben, il y a l'aéroport de Nice qui est à 1h15 et il y a l'aéroport de Marseille qui est à 1h15 aussi. Voilà. Et des fois, il y a des gens qui arrivent à l'aéroport de hier qui est encore moins loin, 45 minutes. Donc, et puis il y a l'autoroute après qui est à une demi-heure et puis avoir des possibilités de covoiturage. Et c'est vrai qu'on serait ravis que le lieu qu'on arrive, voilà, c'est de vous accueillir là pour ces rencontres. C'est un bel événement, dans un beau lieu, avec des belles personnes. Et on peut ensemble faire de très très belles actions pour la Terre et puis se retrouver ensemble, c'est le plaisir. Bon, déjà, je le sens, parce que l'été, c'est bien pour faire la fête. Il y a un excellent rosé bio dans le Var. Il y a du très bon rouge bio aussi dans le Var. Donc tout ça, on vous fera déguster tout ceci. Merci. Et donc... Effectivement, ce sont des rencontres qui ont vocation à grandir en fonction de la manière dont ça va se dérouler. Et donc, en tout cas, voilà, Stéphane, si jamais le cœur vous en dit, il y aura toujours la possibilité d'avoir le replay aussi. Et bien voilà. Donc le lien d'inscription, je le mettrai sous la vidéo YouTube dans le descriptif, tout de suite après la vidéo. Voilà. Est-ce que tu veux conclure cette présentation, Philippe, dans 15 jours, dans deux semaines? Voilà. Moi, je remercie Nicolas de nous avoir encore de cette collaboration ensemble, qui va être absolument magnifique. Moi, pareillement, je te remercie, Philippe. Je te remercie de nous permettre aussi d'accéder à ton domaine qui est magnifique. Et je te remercie beaucoup de m'avoir proposé et de nous avoir proposé de participer à cet événement. Voilà, et donc je supprime juste un petit commentaire dans le chat qui est hors sujet. Excuse-moi, Home Shop. Voilà, oui. Donc en tout cas, ça va être vraiment quelque chose, je pense, des rencontres qui vont être très vibrantes, qui vont nous permettre de nous retrouver tous ensemble. Voilà, quel que soit le chemin sur lequel on est au niveau de l'éveil, et qui vont vraiment nous permettre de communier et d'avoir aussi, je ressens quelque part, un avant-goût de la nouvelle Terre, de ce qu'on va vivre dans les années qui viennent. Et pour ça, je pense que ça vaut vraiment le coup de se retrouver tous ensemble. Excellent, excellent. C'est magnifique. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci Clara de nous avoir rejoints de Colombie. Bonne continuation à toi là-bas. Voilà. Ben on va conclure, Nicolas. Oui. Et donc, on se retrouve très bientôt dans 14 jours. Donc, ce sera
le 26 pour la deuxième partie de cette présentation. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse soirée. Merci Philippe, merci Clara, merci Annelise, merci Marie-Laure, merci à tout le monde. Et à très bientôt, portez-vous bien. À très bientôt. Bonsoir. Plein d'amour. Tiens, le chat qui a dit au revoir aussi. Au revoir au chat. Et merci aux présents qui nous ont accompagnés aussi.